L'arrondissement du plateau Mont-Royal multiplie les mesures d'apaisement afin de rendre nos rues plus paisibles, sécuritaires et conviviales, autant pour les piétons-piétonnes que les cyclistes et automobilistes. Ces mesures sont mises en place entre autres par l'installation de dos d'âne, de panneaux indicateurs, de saillies, de balises et de bollards. Les dos d'âne, par exemple, sont installés dans des secteurs où il y a une grande concentration de piétons-piétonnes, comme les écoles, les CPE, etc., afin de limiter les excès de vitesse. Fort populaire, on en ajoute en moyenne sur une dizaine de tronçons de rue annuellement dans l'arrondissement. Les citoyennes et citoyens peuvent faire une demande d'installation de dos d'âne dans leur secteur, comme on peut le faire pour un panneau d'arrêt ou un passage piéton et piétonne, par exemple. Il suffit de communiquer avec le 311. Plus la demande est forte, mieux c'est. Une étude suivra pour évaluer la situation. Les panneaux, eux, accompagnent les dos d'âne. On les utilise pour afficher la vitesse à suivre aux automobilistes. Ils sont situés dans les zones scolaires et on les déplace régulièrement pour conserver leur efficacité. Leur efficacité provenant de la nouveauté qu'ils amènent au décor quotidien d'un trajet en voiture. Ils peuvent également être utilisés pour indiquer un passage piéton prioritaire peu respecté. Certains panneaux sont accompagnés de radars alimentés par des panneaux solaires et affichent de l'information supplémentaire comme la vitesse maximale, la présence d'une école à proximité, etc. Les saillies, elles, contribuent à limiter les îlots de chaleur, au verdissement de l'arrondissement, à la récolte de l'eau de pluie pour éviter les débordements en plus d'apaiser la circulation. En prenant davantage d'espace aux intersections, là où il y a le plus d'accidents de la route, on limite les endroits et le temps de traverser des piétons-piétonnes et cyclistes. Ça limite donc les incidents. Ça vient aussi resserrer les intersections. Les automobilistes ont tendance à ralentir étant donné que leur voie devient plus serrée. Les saillies permettent également de dégager visuellement les intersections pour permettre un meilleur contact visuel entre automobilistes, piétons-piétonnes, cyclistes, etc. Tout comme les dos d'âne, on peut exprimer le souhait d'en avoir dans son secteur, bien que l'arrondissement les considère maintenant dans tous ses projets du genre. En prime, c'est beau! À noter aussi que l'arrondissement mise de plus en plus sur des trottoirs plus larges afin de favoriser la circulation active et resserrer la conduite automobile. Le plateau favorise également les aménagements cyclables déplaçant les voies des cyclistes en bordure des trottoirs plutôt qu'au centre de la chaussée, afin de mieux les intégrer à la circulation en plus de les protéger davantage. Du côté des balises et bollards, encore une fois, les signalements de la population sont la bougie d'allumage. On pourrait en ajouter prochainement une centaine à différents emplacements dans le plateau. Elles peuvent ralentir la circulation en plus d'être informatives en fournissant de l'information sur les lieux comme la vitesse maximale tolérée, la présence d'écoles, etc. Ils sont surtout utilisés l'été puisqu'il faut les retirer l'hiver. Ils sont coûteux, mais faciles à installer comme mesure de transition avant un plus grand projet, par exemple. Évidemment, les ruelles vertes contribuent également aux mesures d'apaisement en créant des milieux de vie plus conviviaux et sécuritaires pour les riverains. Les aménagements réalisés réduisent la largeur de la voie de circulation et agissent comme obstacle perçu, ce qui incite les automobilistes à conduire plus lentement. Certains aménagements, comme les tronçons champêtres ou des bacs de plantation, permettent également d'éliminer la circulation de transit, en plus généralement de réduire le volume de trafic dans la ruelle. Si vous voulez contribuer aux mesures d'apaisement local, consultez l'article « Demander un ajout ou une modification de signalisation » qui est en lien en description.